Je voudrais vous présenter, parce qu'on se présente les uns les autres, les musiciens qui sont là ce matin. Donc il y a Anne-Lise au violon. Bonjour. Il y a Benjamin à l'alto. Bonjour. Et vous savez bien sûr tous la différence entre le violon et l'alto. Ça, c'est un alto. Alors, tu sais quoi la différence? Qu'est-ce que tu en penses? Il est plus grand. Oui, et alors s'il est plus grand, ça joue plus? Plus fort. Non, pas plus fort. Plus grand. Voilà. Voilà. Et alors, Damien, il joue du alto. Non. C'est donc beaucoup plus grave. Et alors, Héloïse, beaucoup plus grave. Donc maintenant, je vous présente un groupe d'instruments qui s'appelle les cuivres. Il y a Camille qui est au quoi? Saxophone. Oh non. C'est pas de saxophone. C'est du cor. Un cor. Voilà. Il y a Julien qui est à la. Ben oui. Ouais. Et il y a Jean-Charles qui est au tuba. Non. Trombone. Voilà, bravo. Bravo. Je continue. Il y a Cargès. Qu'est-ce que c'est ça? Clarinette. Clarinette, ouais. Clarinette basse. Clarinette basse, oui. Bon, il y a Alexina. Et là, qu'est-ce qu'elle joue? La flûte traversière. Ouais. Ah bah ça, c'était facile. Et la harpe. La harpe, elle s'appelle l'or. Et là, il y a un multi-fonction. C'est Mathieu qui joue tous les instruments à percussion. Les instruments à vent. Oui. La flûte avec Sina. Oui. En fait, comment elle a fait pour avoir autant de respiration? Ah, tu peux te faire voir, Alexina? En gros, pour un instrument à vent, on remplit tout ce qu'on appelle la cage thoracique ici. On remplit, on gonfle beaucoup, on tend, et après on peut tenir des notes très très longues. Très longtemps, c'est combien de temps? Allez, moi, dans le meilleur de ma forme, je peux tenir 50 secondes sans respirer. En jouant. Et toi, Cargès? Enfin, un concours, non, fais pas un concours, non. Après, la clarinette, on peut un petit peu tricher, parce que la clarinette, on peut jouer très, très... Écoutez bien. On peut jouer très doucement, et donc du coup, quand on joue doucement, ça nous demande moins d'air, donc on peut la tenir plus longtemps. Alors, aussi, il peut faire une respiration continue. Oui. C'est-à-dire qu'il peut à la fois souffler et respirer en même temps. Tu peux faire voir comment tu contrôles le souffle. Écoutez. C'est avec le souffle. Ça va, tu restes blanc. Si je le fais rire, il va craquer. Ça va? Bon, ok. Bravo. Alors la harpe, en fait, il y a 47 cordes. 40 combien? 47. Et donc on se repère avec des couleurs pour savoir quelle note on joue. Toutes les rouges, c'est des do, et toutes les noires, c'est des fa. Donc comme ça, ça nous permet de savoir quelle note on joue. Après, les grosses cordes, là, elles sont plus épaisses, elles sont en métal, parce que c'est vers le grave. Et plus on monte, plus les cordes se rétrécissent et deviennent de plus en plus fines, pour devenir de plus en plus aiguës. Il y a aussi, des fois, il faut monter ou baisser un peu les notes, avec ce qu'on appelle des dièses et des bémols. Sur les pianos, vous avez des touches noires, c'est ça. Et là, en fait, j'ai pas de touches supplémentaires pour faire ça. À la place, j'ai des pédales. J'ai une pédale par note, donc j'ai 7 pédales. Par exemple, là, j'ai 3 crans par pédale, donc je peux faire 3 notes sur la même corde. Ça me permet de faire 3 notes différentes. En fait, il y a tout un mécanisme qui part là dans la colonne,
et qui vient ici actionner ce qu'on appelle ça, ces petits disques, c'est des petites fourchettes qui tendent plus ou moins la corde. Oui, alors j'ai une question, est-ce que les cordes ont toutes la même couleur? Non. C'est pas bien. Ah, mais je me mets. C'est pas ce qu'on dit. Fallait écouter, monsieur. Fallait écouter, comme on dit. Madame, ouais. Les blanches, c'est quoi? Eh ben, c'est toutes les autres notes. Donc là, t'as le do, et après, t'as deux cordes blanches, c'est ré et mi. T'arrives sur la corde noire, c'est fa. Et tu continues, sol, la, si. C'est juste qu'on n'avait pas envie de mettre cette couleur différente. Je nage. On va danser le long du fleuve. Avec un fleuve d'argent.